suis Laure Verridel, directrice du CIROD pour Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Le projet Serpentine s'inscrit dans une démarche de recherche interdisciplinaire. Donc, on a une équipe de chercheurs de l'ETS qui sont davantage en ingénierie avec une équipe de chercheurs de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Donc, c'est de voir comment les différentes perspectives de ces disciplines-là peuvent se mettre ensemble pour créer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, trouver des solutions, trouver des manières de faire qui vont au-delà des paradigmes habituels de chaque discipline pour opérationnaliser le développement durable, dans ce cas-ci, autour d'un projet de mobilité. Pierre Deconinck, professeur titulaire à l'École de design industriel, Faculté de l'aménagement, Université de Montréal, et membre du CIROD. Mathias Glaus, professeur à l'École de technologie supérieure et membre du CIROD. Le système Serpentine a été développé, donc le concept a été développé une trentaine d'années en Suisse par Bernard Sauji du Bureau de services et d'ingénierie. Et le système Serpentine, en fait, c'est des petits véhicules autonomes qui se déplacent, donc sans chauffeur, qui se déplacent sur un réseau maillé et qui permettent de répondre à des besoins individuels. Donc on caractérise souvent le système Serpentine comme un transport collectif individualisé. Ce projet est apparu non pas comme un défi technique, mais un défi d'usager. Donc le design avait quelque chose à dire dans cette phase de relance, en fait, de ce projet-là. Donc dans la phase numéro 1, c'est la phase dans laquelle on se trouve, on a dit on ne remet pas en question la technique, on part de cette technique-là et on essaye de voir quels sont les... comment on devrait adapter, mettre à jour le moyen de transport et le rendre plus moderne, contemporain. Et donc, j'ai invité 5 étudiants de l'école de design finissant pour leur dire, écoute, est-ce que ça vous tente de redéfinir la façon de se déplacer en 2025? Donc, l'approche du design, complémentaire à l'approche du génie, c'est de dire, nous, on va essayer de rendre le véhicule sécuritaire, sexy. On va inviter les gens à rentrer dans ce véhicule-là. Et là, on a intégré le véhicule dans 2 contextes d'intervention très distincts. On a pris dans un contexte le centre-ville de Montréal et un complexe plus commercial, donc le 10-30, là où justement où les usagers ont des comportements et des intérêts complètement différents. En fait, ce véhicule-là devenait un compagnon, un complice pour m'accompagner dans les déplacements, qui soit à mon service et non pas que je sois dépendant de quelqu'un qui vient, qui va arriver, etc. Et le tout en sécurité, en perception de sécurité et objectivement en toute sécurité.